En ce moment, il y a les maires des principales villes du Québec réunis pour mettre de la pression sur le gouvernement Legault. Donc, on le sait, le gouvernement Legault là, qui négocie en ce moment à la dure et veut réduire sa part de financement, notamment de la dette contractée par les sociétés de transport. Du côté de Montréal, on voit Valérie Plante notamment. Il y a divers scénarios à l'étude en ce moment, comme par exemple l'impact des mesures si jamais les compressions s'appliquaient. Donc, on pourrait devoir, et c'est un des scénarios que Montréal met de l'avant, devoir fermer le métro à 23 heures le soir en semaine et d'autres diminutions de services, donc, pour faire face et appliquer les compressions budgétaires qui seraient conséquentes à ça. Je vous disais, on garde un œil attentif sur la situation au Maine. Il y a un instant, Justin Trudeau a commenté la situation là-bas. Là. Écoutons-le.